papote. La papote. Mais la papote. Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode sur la papote. J'espère éventuellement que vous avez tous passé deux très bonnes fêtes. Et pour ceux qui ont une famille toxique, j'espère que vous avez osé dire à votre famille « Non, je ne serai pas là cette fois-ci pour Noël. » Ou alors « Je peux pas, j'ai Covid. » Nous allons tout de suite découvrir le sujet du jour. La culpabilité. Oui, vous avez bien compris le sujet. Vous savez ce petit concept inventé judéo-chrétien ? Celui où il faut être la bonne personne, sinon je culpabilise. Eh bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Un fauteuil vide. Nous avons bizarrement aujourd'hui énormément d'invités pour ce sujet hein, qui est la culpabilité. Vous êtes venus nombreux. Hein. Merci d'être là. Alors, qui culpabilise, qui ne culpabilise pas, nous allons tous ensemble, amis téléspectateurs, le découvrir. Nous accueillons sans plus tarder donc Geneviève Delta. Moi je suis thérapeute, si vous voulez, thérapeute en expression directe, non palpable. Attention, quelqu'un qui n'a pas oublié de culpabiliser, j'ai nommé Jérôme. La culpabilité pour moi c'est un peu comme une valeur, c'est une valeur sûre. Jean-Pierre. Culpabiliser de quoi ? D'être qui je suis ? D'être... J'ai pas le temps, encore faut-il, voilà, faire des émissions comme vous, là, de trous du cul, pour avoir le temps de culpabiliser, et même de réfléchir. Jean-Pierre qui, lui, apparemment, ne culpabilise pas souvent. Culpabilité, ça c'est bien un truc d'intellectuel encore. Qu'est-ce que vous voulez faire, là ? Comme dit mon petit connard, là, de petit-fils, là, on peut pas faire pomme Z. Le petit connard de graphiste, là, qui fout rien, fait rien de ses journées. Lui, il culpabilise pas non plus, hein. Peu importe, Jean-Pierre, ce n'est plus votre tour de parole. Alors, Jérôme, c'est à vous. Allez-y, on vous écoute. La culpabilité, Jérôme. C'est à moi, c'est sûr, parce que c'est sûr que tout le monde est passé. Oui, c'est bon. J'ai mangé un peu de poulet, mais j'ai mangé que le croupion. Et déjà, je me suis dit, mais putain, mais tu penses qu'à toi ? Tu penses qu'à toi, bordel ? Et ces petits poulets ? Les petits poulets qui étaient en liberté avant, avec maman et papa poule. Merci Jérôme, merci. Oui, merci Jérôme. C'est à vous Geneviève, tout le monde vous écoute. On vous écoute, la culpabilité. Donc en fait, c'est pour essayer d'être clair, d'être juste, envers moi-même, envers les auditeurs. C'est une thérapie, si vous voulez, qui cherche à accueillir le fœtus à un certain moment, vous allez voir, c'est très intéressant, à un certain moment mort pour laisser la place à l'enfant qui a décidé de naître. Merci Delta, merci. Quand je dis naître, naître et naître, hein, voilà. Merci pour toutes ces solutions donc à nos problèmes de culpabilité. Alors tout ça, c'est un processus assez long hein, qui dure une semaine. Bon, c'est 1 400 €. Et là encore, ne pas culpabiliser de s'offrir ce cadeau. Attention, la vie est là pour qu'on la savoure, qu'on la dépense. C'est pareil, ma copine, putain, ma copine, elle m'a quitté, mais juste parce que je lui ai dit arrête, parce qu'elle me tapait, mais je suis sûre qu'elle avait des bonnes raisons de me taper. Merci. Et moi, comme un égoïste, je lui ai dit arrête, ça fait mal. Merci Jérôme, donnez-lui un Kleenex et de la Ventoline, voilà. Bon bah Jérôme, nous vous invitons à contacter Geneviève Delta, hein, sans plus tarder, pour renouer avec votre enfant mort, votre enfant intérieur, voilà. Et bien voilà, il me semble que ça touche presque à sa fin. Alors inutile de vous rappeler que culpabiliser ne sert à rien. Si vous voulez, je vais vous donner une petite astuce. Tous les « il faut », vous les remplacez par « je vais »,« je peux », »,« j'ai envie ». Et vous supprimez tous les « il faut ». Il faut rappeler ma grand-mère. Je vais rappeler ma grand-mère. Je peux la rappeler.
J'ai envie, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, supprimez-les, il faut. On n'en a pas besoin. Et évidemment, nous n'avons absolument pas besoin de la culpabilité. Bye bye, les petits loups. Ah, regardez là-bas, il y a une petite buse, là. Vous la voulez, la buse? Ah, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est de regarder. Vous savez, lui, là, la buse. Elle se casse pas les pieds avec la culpabilité, hein. Bah, moi, vous voyez, je suis un peu comme une buse. Voilà. Je profite. Je m'envole. Ok? Tu vas voir que je vais devenir un poète. Jean-Pierre qui fait de la poésie.